Hey, salut tout le monde, c'est Lucien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc. Le sujet que je voulais parler avec vous, c'était les voleurs. Qui n'a jamais volé dans sa vie? Vous l'avez tous fait. On l'a tous fait. Que ce soit un carambar ou quelque chose de plus important, on a tous, au moins, essayé une fois sous l'influence de quelqu'un, on a essayé de voler quelque chose. Je me souviens d'une anecdote. Ça remonte à très longtemps. J'étais en Grèce. Waouh, Grèce, pays merveilleux, magnifique. Je me promenais, j'étais avec des gens, et sous l'influence de quelques petites personnes, je suis tombé en mal. Bon, bien sûr, ça s'est terminé bien, mes parents l'ont pas su, mais si je vous expliquais, hein. Donc je me promenais, puis je voyais des plus grands qui poussaient leur fierté en disant « Ouais, regarde, moi j'ai voulu une cascade et tout, voilà. » Et avec le temps, enfin les petits jours, j'ai fait une petite bêtise, voire grosse bêtise. Donc j'ai volé deux casquettes, quelques lunettes. Deux lunettes, ça fait mal. Et un jour, malheureusement, le sort s'est acharné sur moi. J'ai été pris. Au moins, ça m'aura appris que prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, ça se fait pas. Enfin, de voler. Ils sont là, à attendre qu'on paye des choses très chères. Oui, car les choses sont chères maintenant. Ça fait mal des fois. Bon, je me suis fait arrêter, hein, je me suis fait prendre, on m'a foutu trois claques. Souvenir très désagréable quand même. Vraiment très désagréable. Puis les animateurs ont été au courant, on a remonté jusqu'à la police qui m'a arrêté. Enfin bref, mes parents sont pas au courant et j'espère qu'ils seront jamais au courant. C'était un souvenir très horrible, en plus j'étais jeune et c'est sûr que ça fait pas plaisir. Bon, c'est vraiment des petits trucs, hein. Je crois que tu vas prendre chier, mais honnêtement, si c'est qu'un carambar, on va rien dire. Enfin, ton père va pas te dire. Écoute, fiston, c'est mal ce que t'as fait. Un carambar, c'est très important. T'imagines ceux qui l'ont fabriqué? Ah bah désolé, papa, je l'avais pas. Oui, un carambar, des petits bonbons, sans faire exprès, on met de la poche, on le prend. C'est pas bien. Mais si on additionne les choses, on voit après les grands voleurs qui volent des voitures, qui volent des bijoux, qui braquent des banques. Oh, horrible! Bon, il y a différentes peines, hein, généralement, ils s'en sortent avec sursis, hein, malheureusement. Mais même différentes personnes aussi. Hein. Des fois, ils s'en sortent comme ça, c'est des jeunes, des différents types. On sait pas trop d'où ils viennent. Et on se dit, oula, ils sont pas bien, ils vont pas bien. Et si on parlait de la chose la plus volée au monde? S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce que vous avez du feu? Parce que je n'ai plus. Ouais. Et oui, le briquet. La chose la plus volée au monde. Et oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'est nul. Donc la description sur l'Égypte France du vol, ça serait le vol et la soustraction frauduleuse de quelque chose d'autrui. Ouais, j'ai réussi à le dire. Selon l'article 311-3 du code pénal, le vol serait puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, chers internautes, voler, c'est pas bien. Allez, ciao.